Allez, une question chiante. Est-ce que par ces temps de terrorisme islamiste, est-ce qu'il n'est pas plus rationnel de contrôler davantage les gens qui ont une origine culturelle maghrébine, sachant qu'en France, les musulmans sont plus maghrébins que les autres communautés ? Alors, la question du terrorisme est une excuse. En fait, moi, j'étais contrôlé, même beaucoup plus souvent, avant qu'il y ait du terrorisme en France, qu'aujourd'hui. Maintenant, ils ont peur de toi ? Donc, en fait, nous expliquer que c'est par le terrorisme est déjà faux en soi, parce que les chiffres montrent qu'en fait, il y a autant de contrôle avant que maintenant. La deuxième chose, c'est que c'est grave, en fait, quand le gouvernement dit que nous sommes, parce que c'est la justification que le gouvernement donne aujourd'hui dans, en cassation, mais aussi devant l'Assemblée nationale, quand on a voulu que ça soit mis dans la loi égalité citoyenneté, c'est de dire qu'en fait, au moment d'un terrorisme, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, c'est de nous considérer tous, noirs ou arabes, comme étant des potentiels terroristes, donc à contrôler. Mais depuis quand on a attrapé un terroriste lors d'un contrôle au faciès ? C'est une connerie, c'est une connerie absolue. Les contrôles aux faciès n'ont jamais attrapé des terroristes. Sinon, il n'y aurait plus de terroristes du tout. Donc, en fait, vous pensez que... Et d'ailleurs, aujourd'hui, les preuves montrent que la plupart des terroristes sont d'abord des petits Français. Hein, c'est des petits Français. Et ils ne sont pas forcément tous maghrébins. Et donc, en fait, cette question est une honte. C'est de considérer toute une catégorie de la population. On est quand même quelques millions étant des potentiels terroristes. Et la deuxième raison, c'est qu'en plus, ce n'est pas vrai. C'est il n'y a pas plus de contrôle aujourd'hui parce qu'il y a du terrorisme. Il y a juste, en fait, c'est juste plus facile pour les policiers parce qu'ils ont un argument en plus que l'État donne. Et ça, c'est une honte.